Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment récupérer l'arc. Donc l'arc est tout simplement l'arme spéciale de la nouvelle map d'Der Eisendrake. Il faut savoir que cette arme a un nom spécial qui s'appelle tout simplement la colère des anciens. Donc comment faire? Il va falloir faire comme dans Mob of the Dead, nourrir des bêtes. Cette fois-ci, ce sera des dragons. Donc vous le savez, auparavant c'était des chiens sur Mob of the Dead. Cette fois-ci, on va devoir nourrir 3 dragons. Vous avez vu le premier, il était dans la première zone quand vous partez sur la droite au spawn. Le deuxième, il est au niveau de la pyramide. Donc la pyramide, elle se situe tout simplement droit devant vous au spawn une fois que vous avez activé le courant. Sinon la porte est fermée. Voilà, donc pareil, vous nourrissez le dragon qui est juste derrière moi au niveau de la pyramide. Alors à chaque fois, j'ai pu calculer, il faut à peu près tuer une dizaine, je crois, de zombies devant pour que ça soit fait tout simplement. Et le troisième dragon est au-dessus de la pyramide, dans cette salle, hein, vous voyez, où il y a plein d'écrans verts. Et même chose, le dragon est au-dessus de la cheminée. Et il faudra tuer la même chose, une dizaine de zombies. Et quand c'est fini, en fait, vous allez voir le dragon qui va se figer. Et il y a des pierres qui vont tomber. Donc ça, c'est pour chacun des trois endroits. Vous allez voir des pierres qui vont tomber tout simplement du dragon. Donc là, vous voyez, voilà, le mur qui s'effondre. Et une fois que c'est fini, vous descendez là, juste ici, en bas à droite. Donc après, tour de passe-passe. Et vous allez voir droit devant vous qu'il y a un arc qui est apparu. Donc voilà, vous voyez même les trois têtes de dragon au-dessus de l'arc. Et vous avez enfin trouvé cette arme spéciale. Alors vraiment, elle fait pas mal de dégâts. Il faut savoir qu'après, plus vous montez dans les manches, et moins elle sera efficace. Elle fera des rampants, etc. Je sais qu'il est possible de les améliorer. Donc pour l'instant, on est en train de rechercher un petit peu comment améliorer. Apparemment, il y aurait 4 types d'arcs, un petit peu comme les bâtons d'origine. Voilà, donc on fera des vidéos dès qu'on aura directement trouvé comment faire pour améliorer ces arcs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour du zombie ou pour du Destiny. Prenez soin de vous les potes. Tchuss !